C'est le Palais des Arts et de la Culture qui a servi de cadre à la cérémonie officielle d'investiture du général Mahamat Idriss Déby Itno, premier président élu de la Ve République. Plusieurs dirigeants du monde ou leurs représentants ont fait le déplacement dans la capitale tchadienne. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligingema, invité par son homologue, a pris une part active. Après l'audience solennelle de prestation de serment, le nouveau chef de l'État tchadien, main droite levée, a prononcé la formule consacrée. J'irai solennellement devant le peuple tchadien pour suivre l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois. Dans un contexte marqué par les défis politiques et sécuritaires, cette nouvelle étape va permettre au président tchadien de réaffirmer la légitimité des institutions et améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Passer les bases d'un nouvel avenir propice à son développement économique et social, c'est le challenge que le chef de l'État tchadien s'est promis. Au terme de la cérémonie d'investiture, le général Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, a félicité le nouvel homme fort du Tchad tout en réitérant le soutien du peuple gabonais.